Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour la petite anecdote, je viens de faire 30 minutes de vidéo, mais en fait j'avais oublié de record. Donc bonjour à tous. On est sur la mise à jour du 19 décembre 2018, donc la patch note 2.41.2 si je ne m'abuse. Alors on va aller vite parce que je viens de passer 30 minutes à parler dans le vent. Du coup, Shogal. Et puis bon, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Shogal, parce que sinon après vous en parlez. Shogal. Alors on va. Alors honnêtement, c'est une patch. On en résumera et on va venir point par point sur les persos. Mais c'est un patch qui a été que je trouve très intéressant, honnêtement. J'ai vu pas mal de commentaires en mode oui, il nerf mon perso, il nerf des persos pas trop joués, etc. Attention, nerf un perso, c'est pas parce qu'un perso n'est pas très joué qu'il est totalement balèze ou autre. Hein. Il y a des persos, ils sont très peu joués parce que ça demande beaucoup de skill, mais ça peut être malsain pour le jeu. Et là, il y a pas mal de persos qui pouvaient, même s'ils avaient un peu un faible win rate, un faible pick rate, pardon. Justement, c'est pas win rate, c'est plus pick rate. Ça n'empêche pas que le perso est très efficace, très puissant et qu'il rend le jeu malsain, comme je le disais, quelque chose de vraiment d'horrible, très frustrant, etc. Donc, on va voir ce qu'il en est. Je tiens à dire par exemple que bah, Rich a fait un tweet. Alors en coréen, vous pouvez traduire, et il a dit justement qu'il trouvait que les changements de ce patch étaient plutôt bons. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Du coup, on commence par Shogal. Alors rapidement, parce que je sais qu'il va y avoir des main Shogal qui vont se hérisser et qui s'hérissent déjà de ces changements. Je profite juste pour le rappeler, Shogal, évolution de son winrate. Shogal, déjà, vous savez que j'ai toujours trouvé que ce perso, c'était le cancer absolu. De toute façon, quand vous le loquez, il dit « Le cancer arrive !» Ah non, il dit pas ça, mais... Objet. Alors bien sûr vous allez vous dire oui mais du coup Malga parce que vous l'aviez faite avec Mal'Ganis, alors j'étais totalement objectif sur le perso, mais je préfère le dire, évidemment vous allez me dire que je suis subjectif, que je suis content qu'un perso que je déteste soit nerf. Si je déteste le perso, c'est pas parce que voilà je suis tombé face à Shogal et j'ai pas aimé machin. Genre il y a des raisons qui font que je trouve que Shogal c'est putain de cancer. Et Shogal, moi je suis content hein, quand il sort en pro etc, je suis ultra content de le voir. Maintenant Shogal, faut bien se rendre compte que quand vous affrontez un Shogal, c'est soit il vous défonce la gueule, soit vous lui défoncez sa gueule. Et du coup, une compo Shogal, c'est ultra fru. En fait, il n'y a que les Shogal qui s'amusent. Même le support qui joue avec Shogal, il en peut plus. Enfin, bon, il y en a, ils vont vous mentir, ils vont dire oui, moi j'aime bien Joanna, je nano boost, ensuite je back le mec qui gagne le teamfight. Ça, c'est des conneries, ça. Un vrai joueur de support, je suis désolé, mais c'est rare qu'il va aimer jouer avec Shogal. Hein. Alors ok, il va pouvoir gagner machin dans les teamfights s'il joue bien, mais déjà Shogal à tenir c'est casse-couille de ouf, s'il arrête pas de bouger, il saute dans tous les sens, enfin je veux dire avec tous les subs c'est casse-couille, hein. Vous paniquez pour lui parce que ses barres de PV elles font ça non-stop, genre non, qu'on soit clair, c'est non. Du coup, il n'y a que le joueur de Sho et de Gal, enfin, y a que le Shogal qui s'amuse en fait. Les adversaires, ça les fait chier. Les alliés, ça les fait chier. Parce que Shogal, en termes de. Alors, ça demande de la coordination micro, mais énormément de macro aussi. On l'oublie, mais le meilleur counter de Shogal, c'est la macro. C'est pas un Lyticus ou je sais pas quoi. Mais du coup, je rappelle aussi d'ailleurs que j'ai fait un guide. Alors, pas vidéo, mais uniquement écrit pour Sho et pour Gal. Donc, je vous laisse aller les voir sur Millennium. Du coup, Shogal. Qu'on soit clair, le nerf sur le E en dégâts d'explosion. Après, un petit point aussi sur ce que je voulais évoquer sur Shogal. Un des trucs très forts, c'est que Shogal, c'est l'un des seuls personnages d'Heroes à avoir autant de quêtes sans plafond. C'est un truc de ouf. Du coup, Shogal, son winrate était déjà bon avec le retour en force de la Team League. Forcément, Shogal était remonté en flèche. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Shogal a, en plus de ça, le changement d'XP qui favorise le late game. Le late game de Shogal, c'est tout simplement insane. Shogal est l'un des meilleurs personnages en late game, je pense. Du coup, forcément, son winrate est monté en flèche à tel point qu'il a l'un des meilleurs winrates du jeu à l'heure actuelle. Et en termes de. C'est plus populaire qu'un Samuro, c'est un moins bon winrate que Samuro, mais en termes de population qui le joue et de winrate, le perso est extrêmement fort. Du coup, enfin, extrêmement compétitif, je dirais. Je parle pas de compétitif niveau pro, hein. Je parle de. En termes de solo queue, il a un très bon winrate. Bon, c'est bon, vous avez compris. Du coup, Shogal, ils vont changer justement, ils vont mettre des plafonds à des quêtes, on y reviendra après. Du coup, le nerf du E, qui est quand même un gros nerf, j'ai pas fait le calcul, mais ça doit être un truc aux alentours de 15, entre 10 et 20%, quelque chose comme ça, je pense, à peu près 15. Du coup, l'explosion runique, je trouve que sur le papier, ça pourrait être bien. Le problème, en fait, c'est que
Il y a la quête, donc je vais tout de suite passer au niveau 4, je suis désolé, mais le bonus aux dégâts était limité à 200 points, donc ça a été capé en maximum de dégâts et bloqué, ce qui fait déjà des énormes dégâts hein, quand même hein, sur la bombe. Je rappelle que c'est quand même ridicule, hein. Il y a une game Thrall qui va pas tarder à arriver sur YouTube où c'était une game très très tendax, très serrée. Je veux dire, je vois mes carries, ils prennent une bombe, ils ont 90% PV en moins, c'est pas normal, c'est juste pas normal. Cho'Gall, il avait le spam d'un Gul'dan avec le burst de l'ancienne Chromie, enfin c'est pas normal, avec une hitbox ultra large, genre parce que on peut dire ce qu'on veut mais Chromie fallait faire un pas de côté et c'était quand même très très faible, on va dire le rayon était faible. Cho'Gall, enfin ça c'est bon, faut pas déconner quoi, c'est enfin vous pouvez rater vos sorts mais bon, c'est quand même très simple de pouvoir toucher. Donc la bombe qui est qui voit son plafond être mis à 200, je pense que c'était largement suffisant en soi, c'était déjà un bon nerf. Mettre les dégâts en moins sur le E de base, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. À la limite, un petit nerf de 2 à 5%, ouais, là je trouve quand même que c'est un peu fort. Je trouve quand même qu'on y va fort sur Cho'Gall. Rien que ça, ça suffisait déjà à équilibrer le perso. Du coup, bon, ça c'est vrai que je reconnais que ça c'est en trop. Quand même, ça c'est en trop. Maintenant, la bourrade au niveau 1 qui a été améliorée. Je rappelle que l'ancien Cho'Gall n'avait pas de bourrade de base, c'était un talent. Finalement, Blizzard s'était dit bon, le talent est vraiment cool, du coup, on va le mettre dans le kit de base. Et ils avaient mis un talent 1 pour encore up la bourrade pour faire en sorte que vous puissiez l'avoir quasiment tout le temps. Faut pas déconner. Pendant très longtemps, un des nerfs, un des counters de Cho'Gall principal, c'était le contrôle plus vulnérabilité. Il y a un moment donné où Cho'Gall, je rappelle qu'il y a uniquement les immobilisations, les routes, qui vont empêcher une bourrade. Vous mettez un pogo avec ETC, le mec peut sortir du pogo. Vous mettez n'importe quoi, le mec peut bourrade. Et je rappelle que la bourrade, c'est 10 secondes de CD en moins sur la bourrade si vous preniez le persécuteur, en plus d'une réduction de CD pour chaque auto-attaque. C'était beaucoup quand même, hein. C'était beaucoup, donc on enlève les 10 secondes de bourrade, mais il y a toujours... Alors, peut-être que pour compenser, ils auraient peut-être dû mettre... je crois qu'une auto est égale à 1 seconde de moins sur la bourrade, peut-être qu'il aurait fallu passer à 1,5. Ok, je pense qu'un petit bonus en plus pour ça, mais de base, de toute façon, sur les autos, réduction de CD sur chaque auto que vous prenez, c'est quand même pas dégueu, hein. Faut inciter les gars à l'utiliser au bon moment. Ça a toujours été un truc pour utiliser au bon moment sur un hook de Stitches ou autre. Enfin, faut pas déconner quoi. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, vous pouviez cancel un hook avec la bourrade. Je suis pas tout à fait sûr. À préciser dans les commentaires, mais il me semble qu'on peut cancel un hook en plus. Alors, la bombe est larguée, on en a déjà parlé. Double peine, réduction du temps de recharge qu'on fait par la quête diminuée de 1 à 0,5 secondes. J'en parlais aussi dans les 30 minutes où je parlais dans le vide. Mais Gul'dan. Enfin, imaginez un perso. Enfin, Gal, le A, vous le spammez. Hein. Vous le spammez. Donc, en plus, si vous aviez fini la quête, vous aviez une réduction de temps de recharge de 1 seconde. 1 seconde sur un sort qui se spamme. Alors, vous allez me sortir Medivh. Medivh, c'est pas pareil parce que c'est que. Il a qu'un seul sort offensif au final, Medivh. Et c'est un off-sup, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais prenez un mage comme Gul'dan. Gul'dan, il a un sort qui se spamme tout le temps et qui ressemble d'ailleurs beaucoup à ce sort-là, c'est le A de Gul'dan. Les gangres flammes. En l'occurrence. Genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui réduit le temps de recharge du Q-Spell? Non. La réponse est non. Parce que Gul'dan, il a la corruption à côté, il a le drain, il a des dégâts. Gal, c'était pareil. Et vous pouviez spammer votre A. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais une seconde de CD en moins sur un sort qui a très peu de CD, genre, c'est pas normal en fait. C'est juste pas normal. C'est même inadmissible en fait. Enfin, c'est sur le papier, il n'y a aucun autre perso qui a ça en termes de mage. C'est pas possible en fait. Donc la réduction de CD, enfin n'oublions pas quand même que c'est 3 secondes de CD de A, 1 seconde en moins, c'était 33% de CD en moins. C'est énorme, hein. 33%. Hein. Donc 0,5 secondes, c'est déjà très très fort. Hein. 0,5 secondes, c'est déjà énorme. Ça calme un petit peu le côté what the fuck du sort. Après, de toute façon, non, ne vous en faites pas. Genre, contrairement aux 4, bon. Il y avait d'autres builds, mais honnêtement, le build bomb était le top du top. La bourrade 1 était le top du top. Donc, je comprends que ça puisse gueuler sur ces talents-là, même si pour moi c'est légitime. La double peine, c'est pas trop grave parce que vous avez un autre talent qui est le grain de folie qui augmente de 8% les dégâts quand vous touchez un héros, etc. En plus, ça encourage le skill puisqu'à chaque fois que vous touchez quelqu'un avec votre A, ça augmente les dégâts du suivant, etc. Donc, moi je trouve, enfin, au 7, il y avait d'autres possibilités quoi. Ça c'était abusé, ça aurait jamais dû passer dans le rework déjà. Donc bon. Pour moi, Gal, c'est des en dehors de ça, pour moi c'est des changements qui sont sains pour le jeu et qui sont logiques. Donc peut-être qu'on pourrait se plaindre qu'il n'y ait pas un ajustement en conséquence, peut-être, mais
Enfin, à l'heure actuelle, Gaal, je pense que ça, c'est pas ça qui va détruire Cho'Gall. Hein. Non, clairement, qu'on soit clair, c'est pas ça qui va détruire Cho'Gall. Le perso reste toujours fort et reste toujours intéressant. De toute façon, Cho'Gall, ça a toujours été on-off. Hein. C'est soit c'est trop fort, soit c'est trop faible. Hein. Donc, je pense pas que ce soit ça qui change tout. Bien sûr, ça limite son potentiel destructeur en late game, mais bon, il a tellement d'autres choses pour détruire. Ensuite, on passe à Orphea. Orphea qui est la Hanzo inversée, je dirais, d'Heroes à l'heure actuelle. Parce que Orphea, elle est sortie depuis le PTR au serveur live avec un nerf. Finalement, ils l'ont up. Finalement, ils ont réajusté ses talents forts. Et il y a un nouveau changement, un nouveau nerf. Orphea. Bah, le problème c'est que c'est un perso qui a un énorme skill cap, donc forcément ça demande un peu d'adaptation, contrairement à Mal'Ganis qui sort, bon on peut toujours bien sûr s'améliorer, mais le perso était pas, voilà, c'est bon, tout n'importe quel débilos pouvait quand même le prendre en main. Orphea c'est pas pareil, donc forcément Orphea c'est un peu plus dur à équilibrer. Mal'Ganis c'est difficile à équilibrer, mais pour un autre point, c'est plus la sustain. La sustain c'est toujours casse-couille à équilibrer, dans n'importe quel jeu, hein. Regardez League of Legends, etc. Mais du coup Orphea, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait eu un changement où ils avaient up ses PV, ils reviennent en arrière, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font après à côté de ça. Bon, la régène de PV qui se calque en fonction du maximum de points de vie. Alors, l'ultime, la morsure, je trouve ça un petit peu dommage que ce soit... Le nerf d'avant était déjà bien. Là, le problème, c'est que les dégâts sont réduits de 275 à 250, donc encore une fois un gros nerf. Durée de l'étourdissement qui passe de 0,75 à 0,5, je trouve qu'en vrai, c'est un petit peu trop abusé. N'oublions pas que la morsure, concrètement, ça fait pas des dégâts insane. Hein. La morsure fait pas des dégâts insane. La morsure, c'est pour le contrôle que ça offre, qui va vous assurer votre burst. Donc, je trouve que c'est un peu beaucoup... À la limite, qui nerf l'étourdissement, d'accord, mais les dégâts en plus, c'est... Enfin, soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux, c'est vraiment trop, là. Après Orphea, elle a un des meilleurs winrate, enfin elle est très bien en winrate là à l'heure actuelle, donc je comprends que ce soit nerf, mais faut pas déconner quoi. Enfin la morsure, c'est juste quasiment indispensable dans son kit. Si vous avez joué à League of Legends, c'est comme si on enlevait Tibers à Annie quoi, c'est un peu compliqué. Niveau 1, la force ancestrale, bon ça c'est le talent qui était trop fort, qui reste le meilleur. Bonus de dégâts réduit de 25 à 20%, tout à fait logique. Niveau 4, la tétanie. Les effets de ralentissement ne se cumulent plus, ça c'est cher. Hein. Ça c'est très très dur. Parce que ça permettait de mettre des énormes slows. Mais bon, je comprends aussi que ce soit enlevé. Mais c'était quand même très très fort. Et ça reste toujours très très fort. Honnêtement, ça reste toujours très très fort le E. Parce que dès que ça, à partir du moment où ça slow dès le point, peut-être qu'ils auraient dû baisser le cap en fait de slow. Parce que le problème c'est que maintenant. Enfin, je crois que c'était du 20, c'était du 30 et ça montait à 50 cumulable. Faut voir comment ça va se passer, mais bon, je trouve ça peut-être un peu dur sur le papier. Le repli mordant, c'est cette mécanique que je trouve très intéressante. Alors, le problème du Z, alors quand je dis mécanique, c'est plus la mécanique du changement, pas la mécanique en elle-même. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans le guide Orphea écrit et vidéo, je trouve que la mécanique en elle-même de sort est débile. C'est-à-dire que vous savez, au niveau 4, vous appuyez sur le Z, ça va vous faire dash en arrière. Plutôt que de vous donner la mécanique du A, mais modulable, c'est-à-dire si vous avez mis un Z, vous pouvez dash en avant, dash sur le côté, dash en arrière, comme vous voulez. Le problème, c'est que sur le A, en fait, contrairement au A, celui-là vous force à dash en arrière, ce qui est pourri. Vous n'avez pas le contrôle potentiel, enfin, c'est naze. Et par contre, j'aime bien l'équilibrage en plus. Ils ont fait, bon, on vous a enlevé 10% de vos maximum PV, on va les remettre sur ce sort-là. On va les remettre sur ce sort-là. Je trouve ça très... Ça c'est un changement très intéressant, ça. Alors bon, en l'occurrence, je critique plus la mécanique en elle-même du Z, donc pour moi ça change pas grand-chose pour moi. Mais la manière de l'équilibrer, je trouve ça très 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 malin. Très malin. Si tu nerfs des stats et que tu les mets en passif sur un talent peut-être un peu moins joué, je trouve ça très intelligent. Parce que si le perso a besoin d'un petit nerf, mais d'un autre côté qui a un talent peu compétitif, tu nerfs ce petit truc-là, mais tu le remets dans un talent. Franchement, je trouve que c'est une manière d'équilibrer très intelligente et j'espère qu'elle sera reproduite pour d'autres persos avec des talents un petit peu plus faibles. Imaginons par exemple un nerf de la chaîne d'éclair sur Thrall. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais un nerf sur la chaîne d'éclair sur Thrall. Et bah, par exemple, prendre la chaîne d'éclair verte au 1, eh bien, vous donne 5% de dégâts supplémentaires sur la chaîne d'éclair. Pouf, t'as un petit truc comme ça qui équilibre le perso de base et qui rend un peu plus compétitif un talent. Donc je trouve la manière de faire très très maligne. Samuro, alors là je sais que j'ai eu pas mal de monde qui m'a posé la question, qui se disait mais Malga, que penses-tu de Samuro? Il nerf un perso qui est jamais joué, bah blablabla. Alors si vous suivez les streams de haut niveau, si vous suivez aussi mes streams, vous le savez, Samuro, quand je joue avec des potes, même Kerwa par exemple qui adore Samuro, même dans la vidéo où on avait parlé de Samuro, il le disait, c'est putain de cancer. Genre vraiment, Samuro,
Alors, à bas niveau, etc. Alors, il fut un temps, Samuro était le cauchemar du bas niveau. Je veux bien des retours là-dessus. Je sais pas si c'est le cauchemar du bas niveau, mais en tout cas, on parle pas du même Samuro. Hein, parce que le Samuro à bas niveau, c'est le Samuro Tourbilol, etc., etc. Samuro à très haut niveau, c'est le Samuro maître des illusions qui se cache, qui vient te finir, qui vient te trichote la tronche et qui repart aussi vite que ce qu'il est arrivé. Et toi, tu peux pas le choper, quoi. Ça, c'est Samuro. Ça, c'est le vrai Samuro. Et ça, c'est ultra fort. Du coup. Nerf du maître des illusions, le temps de recharge qui est augmenté de 8 à 10 secondes pour éviter qu'il puisse dodge tout, enfin c'est quand même beaucoup, et n'augmente plus les dégâts d'attaque de base de Samuro, c'est un changement ultra sain, parce que c'était quand même un bon... Alors ça, concrètement, Samuro continuera à trichotte, hein, mais le fait que les attaques de base de Samuro étaient up de 10% en prenant le maître des illusions, je crois que c'est 10%, voilà, on l'enlève, il a suffisamment de dégâts comme ça, calmons-nous. Pas besoin de div. Enfin, sur un personnage comme Samuro, le moindre petit bonus de dégâts, ça. C'est exponentiel. Donc, c'est tout à fait logique qu'on enlève ce truc. Mettre des illusions, c'est toujours très fort pour la capacité globale. Pas besoin d'améliorer la micro du perso, il l'a déjà dans son kit. Voix de l'illusion, les dégâts ajoutés par chaque cumul ont été réduits de 0,5 à 0,25. Un énorme nerf, mais un nerf logique aussi. La voix de l'illusion, malheureusement, bouffait tous les autres talents au niveau 1. Et la voix de l'illusion, plus le maître des illusions, plus le machin, bah ça faisait qu'à la fin, il y avait Samuro était capable de two shot, three shot des carries très fragiles. Donc faut pas déconner quoi. Mais enfin, même pas que des carries d'ailleurs très fragiles. Donc faut pas déconner. Donc c'est logique qu'on ait réduit les dégâts. Voilà, comme le disent les développeurs, Samuro est devenu une nuisance pour de nombreuses équipes, surtout lorsque les joueurs utilisent efficacement Maître des Illusions. Donc là, on parle d'un équilibrage très haut niveau. Pour y remédier, nous réduisons la puissance de Voix de l'Illusion de Maître des Illusions, ce qui devrait réduire les dégâts globaux que Samuro peut infliger au cours d'une partie. Et c'est tout à fait légitime. C'est vraiment légitime. Après, Samuro, un bon joueur de Samuro, continuera à faire le café. Hein. C'est juste que il était trop fort quand même. Il était trop fort. C'était quelque chose qui était demandé par beaucoup de joueurs et notamment de pro players. Zagara. Alors Zagara, je sais que ça vous a surpris. Moi c'est plus la manière de faire qui est pas terrible, mais je trouve que c'est logique. Dégâts des attaques de base réduits de 80 à 76 points, ça je ne comprends pas par exemple. Ça je ne comprends pas. Pourquoi il nerf les autos de Zagara? C'est. Alors on va voir, parce que vous allez me dire, bon bah ok, mais. Alors pourquoi il nerf Zagara déjà? N'oublions pas qu'avec le rework N'oublions pas qu'avec le rework. De l'expérience, etc. Bah, Zagara, là, elle a une énorme puissance de push. Son winrate a augmenté. Elle n'est pas jouée par des milliards de monde, mais Zagara, le global. Enfin, n'oublions pas aussi que le patch a considérablement up les globaux. Zagara fait partie de ce domaine-là. Enfin, c'était assez énorme. Donc, c'est logique que. C'est logique de voir des nerfs sur Zagara. Dégâts des auto-attaques de base, je trouve ça pas terrible. Parce que, bah, encore une fois, ça nerf son PVP. Et Zagara. Elle a besoin, on a besoin, en fait Blizzard a besoin de calmer son PVE. Un petit peu à l'image de Xul, c'est-à-dire limite il faudrait nerf le PVE de Zagara qui est déjà très fort et up le PVP plutôt. Donc nerf les dégâts d'auto-attaque de base, ça changera pas grand chose en PVE parce que, ok, c'est un petit nerf pour le PVE aussi, mais concrètement tu dépêches pas forcément à l'auto. L'auto elle est là pour compléter ton dépêche, c'est les chancres, c'est l'hydra et c'est le E qui vont dépêche. Les autos c'est pour compléter. Donc les autos c'est surtout en teamfight que ça a de l'impact. Donc déjà ça je suis pas fan. Chasseur tueur, alors ça j'aime. Vous savez pour moi franchement c'est l'un des sorts les plus débilos du jeu l'hydralisque. Donc temps de recharge augmenté de 14 à 16 secondes. Bon ok hein, ça veut dire que t'as moins d'hydra. Mais alors par contre l'hydra elle va... Enfin l'hydra c'est normal que tu l'aies moins souvent. Ok, par contre les dégâts sont réduits de 65 à 71. Donc c'est un up hein. Attention on le réduit. C'est un up hein. C'est dégâts augmentés de 65 à 71. La patch note en FR tout ça tout ça. Donc up des dégâts de 65 à 71 et les points de vie donc sont augmentés, le coût en mana également pour éviter, bah en vrai c'est un des sorts les plus cancers du jeu. Alors ils ont augmenté les dégâts mais je pense qu'en fait il aurait pas fallu changer les dégâts, laisser les dégâts comme ça, augmenter le temps de recharge, augmenter les points de vie s'ils veulent, moi je pense que augmenter les points de vie c'est débile, et augmenter le coût en mana. C'est un sort qui fait, mais l'hydra les gens ne s'en rendent pas compte hein. J'ai tué il y a pas longtemps, je jouais avec Zag en QM en Game Viewer. Et j'ai mis une Hydra sur une Johanna qui avait plus de Galva, qui avait plus rien. Il lui restait encore facilement un cinquième de ses PV. Alors elle a pris un petit peu de dégâts, mais il y avait l'Hydra qui la poursuivait. Et elle est morte par l'Hydra quoi. C'était hallucinant. Genre, elle prenait comme ça. Et j'ai pas le dégât en pourcentage PV du niveau 16. Hein. C'était impressionnant. C'était en early game. Et j'étais en mode, mais putain, mais c'est n'importe quoi. Hein. Et c'est débilos quoi. L'hydra elle te suit jusqu'au bout. Enfin, rappelez-vous du Carbot avec Karazim où t'as l'hydra qui l'attend à la porte, quoi. C'est exactement ça. Genre, elle te terrifie le truc. Et
Je pense que, par exemple, en fait, limite, il aurait fallu. S'il voulait nerf des dégâts, il nerf les dégâts du chasseur-tueur pour augmenter les dégâts d'auto. Mais en fait, là, nerf les dégâts d'auto qui demandent quand même le hit and run, etc. Chasseur-tueur, il demande rien. Il demande d'appuyer sur Z. N'importe quel Golio peut appuyer sur Z. Hein. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage là-dessus. Mais bon, c'est. Après, il nerf quand même. Il up le truc parce que bon, il y a plus de temps de recharge, il y a plus de points de vie, blablabla, tout ça, ok. Réseau de Nidus, la réduction du temps de recharge par attaque de base diminuée de 0,5 à 0,4 secondes. Donc c'est l'élan du combat personnalisé de Zagara. On nerf un petit peu encore le Nidus. Alors là, c'est la manière d'épush teamfight de Zagara. Hein, parce que prendre le Nidus, en plus de vous donner un global, ça vous réduit le temps de recharge de vos sorts. Je pense qu'il y avait une autre manière de le nerf, mais bon, c'est autre chose. Niveau 13, la transfusion d'Hydralisk. L'effet de la sangsue de vie réduit de 75 à 60% des dégâts infligés. Alors évidemment. Bah, ce talent déjà est le meilleur de Zagara, de manière générique. Les autres sont situationnels, hein. L'armure sur le mucus c'est pas dégueu, le bouclier anti-sort est pas dégueu, mais c'est situationnel. Celui-là c'est un talent générique, donc c'est normal que ce soit le plus joué. Mais le truc c'est qu'en augmentant les dégâts de l'Hydra, bah t'augmentais la sustain, puisque c'était 75% des dégâts infligés. Donc au final, il passe à 60% des dégâts infligés, ce qui reste tout à fait correct hein, bien sûr sur le soin de l'Hydra. Toujours cumulable bien entendu avec les talents 16, que ce soit la Mutalisk, que ce soit plus d'Hydra ou que ce soit l'Hydra qui tape en pourcentage PV, c'est 60% des dégâts infligés de toute façon. Donc c'est toujours une grosse sustain. Le problème, je dirais, enfin, et en plus, même s'il y a un nerf, c'est compensé par le fait que l'Hydra tape plus vite. Donc tout le joueur de Zagara et tout le monde. Checkez juste s'il y a des nouveaux changements sur Zagara, faites bien attention à ça, puisque là c'est un changement logique, à la limite. Ils augmentent les dégâts de l'Hydra, ils nerfent la sustain pour pas que ce soit trop fort. Mais, n'oublions pas quand même que à côté de ça, bah, tu l'auras moins souvent, donc tu auras moins souvent de sustain. Il y a d'autres équilibrages. Mais surtout, si par exemple dans un prochain patch ils nerfent de nouveau les dégâts de l'Hydra, là ça veut dire que vous l'aurez pris dans le cul, parce qu'il n'y aura pas eu d'équilibrage. Là l'idée c'est un équilibrage, un ajustement, par réduction, enfin, augmentation des dégâts, réduction de sustain. Tu prends un petit nerf, mais dans l'ensemble ça va. Si au prochain patch il nerf les dégâts de l'Hydra, bon bah là t'auras pris doublement la quenelle quoi. C'est pour ça que j'évoque ce fait là. Il faut toujours rappeler ça pour les prochaines patch notes en mode ah oui, mais ils avaient changé ça donc faut faire gaffe. Bon, voilà. Auriel, la révélation céleste. Alors ça c'est un changement que j'évoque depuis très longtemps sur Auriel et je suis content qu'il l'ait appliqué. Le bonus aux dégâts une fois la quête terminée augmentée de 150 à 180. Bah je suis très content. J'avais dit, je trouve pas ça normal que la quête sur le A et était nerf, alors que bon bah c'est une quête qu'on voit peu et la récompense bah il faut l'augmenter quoi, et je suis très content. Ça c'est un up, je le demande depuis enfin peut-être même un an, donc je suis très content qu'il fasse ça sur Auriel. Très bon changement. Donc la quête au 1 qui en solo queue est pas mauvaise hein, si vous avez la possibilité de la jouer. Après il y a la réduction de CD, il y a également l'arc rapide, mais si vous êtes assez tranquille, ce niveau 1 est très fort hein, en termes de dégâts. Donc je trouve que c'est pas mal du tout ça sur elle. Descartes Kane. Alors Descartes, il y a eu un changement, vous savez, avec la réduction de CD sur le A qui était passé de 2 secondes à 3 secondes, donc la potion qui avait été nerf hein, pour l'avoir moins souvent, mais ils avaient up les valeurs. Et du coup ils viennent de faire d'autres changements en essayant d'augmenter des talents un petit peu moins joués. Il faut savoir que Descartes Kane avec ces changements a pris une baisse de winrate terrible, absolument terrible. Je pensais pas honnêtement que ça ferait baisser son winrate comme ça à Descartes Kane. Comme quoi vous voyez, juste un petit changement d'une seconde parfois ça peut tout changer. Et là en l'occurrence, bon il n'y a pas que ça hein, mais Descartes a été profondément affecté. Donc il up des talents un petit peu secondaires, alternatifs. Notamment la puissance de capacité augmentée de 15 à 20% sur le parchemin, sur l'empirisme. Je trouve que c'est le parchemin bleu et moi j'aime beaucoup ce talent au niveau 1. Là maintenant vous pouvez augmenter de 40% en touchant 2 mecs, vous pouvez augmenter de 40% votre puissance, donc vos sorts, vos dégâts, etc. C'est quand même vraiment pas mal. Hein. Le rubis, talent que je trouve trop peu exploité, utilisé. Quand vous avez beaucoup de mêlées avec des cartes gain, le rubis c'est excellent. Faut juste que bon, les mêlées pensent à aller chercher les petites potions au sol, peut-être augmenter la visibilité, j'en parle depuis très longtemps. Mais le soin qui a augmenté de 205 à 220, c'est énorme. Hein. Faudrait voir. Je veux bien d'ailleurs si quelqu'un dans les commentaires peut m'en parler. La potion doit soigner un tout petit peu plus que ça. Donc le rubis au final c'est comme si vous mettiez 3 potions par mec touché au sol. C'est énorme, hein. C'est énorme. C'est le rubis est vraiment fort hein. Ça fait très longtemps que j'en parle mais ça devient très très fort hein. Et je suis content, j'ai commencé à avoir des cartes de le rejouer d'ailleurs au niveau GM Master.
Niveau 13, savant mélange. Alors là, qu'on soit d'accord, hein, le niveau 13, vous pouvez augmenter les valeurs comme vous voulez. C'est de la merde. Hein. Si vous ne prenez pas le dé avec des cartes game, vous n'avez pas compris le perso. Hein. Donc augmenter ces talents-là, c'est de la merde. Il faut changer les mécaniques plutôt. Donc le savant mélange, les soins qui sont augmentés de 35 à 45%. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est le A qui soigne en zone. Peut-être faire en sorte que la zone, plutôt, au lieu de changer les chiffres, peut-être augmenter, enfin les chiffres, les valeurs du sort, peut-être augmenter le radius plutôt du sort, plutôt que les valeurs directes. C'est un petit peu, pour moi c'est ça. Ce talent pourrait devenir intéressant si jamais, en fait, ça soigne, si les potions soignent un peu plus en zone. À ce moment-là, là, augmenter le radius, pourquoi pas. Mais la valeur de soin, prenez le dé, ça soigne plus et ça fait masse dégâts. Super potion de soin, pareil, c'est de la merde. Qu'on soit clair, super potion, vous prenez pas des cartes pour mettre des super potions au sol, ça met trop longtemps à pop, vous êtes censé mettre vos potions directement sur le mec, donc tant que ces mécaniques là restent comme ça, ça sert à rien pour moi de... Enfin le dé est beaucoup trop fort, le dé est beaucoup trop fort. Niveau 16, même si bon bah c'est un gros up, hein, mais pour moi ça change rien. T'as pas le temps, le mec que tu veux soigner il a pas 2 secondes à attendre avant de récupérer sa potion. Niveau 16, survie par le nombre, bonus d'armure augmenté de 10 à 15 points. Ça c'est énorme hein. Alors ce talent en fait il est très 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 fort. Mais le problème en fait c'est la double réduction de CD plus l'armure plus une amélioration de gain d'armure. Le problème de ce talent en fait c'est plus qu'il est Et d'ailleurs ils ont augmenté le bonus puisqu'il y a eu les changements sur l'armure. Mais honnêtement ce talent est vraiment fort. Le truc c'est qu'il est très dur à faire proc, donc c'est bien qu'il le up, attention parce que c'est vraiment méga strong hein, quand même hein, ce talent. Mais moi j'aime bien aussi le changement. Morales, kinésithérapie, ne réduit plus le temps de recharge lorsque la protection dissipe un effet de ralentissement. Par contre maintenant l'embuscade, enfin fonctionnalité supplémentaire, l'embuscade réduit le temps de recharge de la protection de 2 secondes. Donc j'avoue que celui-là je l'ai pas capté ce changement. Quand je l'avais lu, je m'étais dit bah ça doit être juste une dissipation différente. Enfin, j'avoue que je me rappelle même plus ce que c'est que l'embuscade. Je suis perdu. Je suis paumé. Alors attendez, protection. Ah, en fait, je crois qu'en fait, même si vous ne dissipez rien, vous avez une réduction de CD sur le temps de, sur le. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. En fait, même si. Même si vous ne dissipez pas un effet, vous avez de toute façon une réduction du temps de recharge. Je crois que c'est ça en fait. Bah, du coup c'est un peu con en fait parce que ça enlève le skill cap du perso. Si c'est bien ça, ça enlève un peu le skill cap. L'idée c'est de mettre le Z au moment où si ça dissipe un effet quoi, de l'utiliser au bon moment. Et parce que Morales c'est pas forcément du skill pur, c'est plus du placement et de l'intelligence et du timing. Du coup, t'enlèves le skill du truc, je pense que c'était mieux de faire en sorte que de up à la limite au lieu de 2 secondes par exemple, parce que c'était ça l'avant, là tu réduis le temps de recharge je sais pas de 3-4 secondes si ça enlève un ralentissement. À ce moment là tu l'as plus souvent pour faire, enfin j'imaginais quelque chose qui valorise un peu plus. Bon après faut faire gaffe parce que si les valeurs sont trop grosses c'est plus non plus ce qu'il est, mais là bon bah c'est juste passivement une réduction de CD. Ils veulent le rendre plus compétitif, pourquoi pas plutôt mettre une pourquoi pas mettre une purif plutôt. Enfin les purges que Tyrande peut avoir, bah pourquoi Morales ne peut pas les avoir. Mais bon, c'est tant pis. Uther, alors un petit changement, pas grand chose, mais comme il y a eu les changements sur l'armure, etc. Je trouve que c'est plutôt sain ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que l'armure de foi, donc qui faisait en sorte que Uther gagnait de l'armure et des soins, si je ne dis pas de bêtises, quand il était contrôlé, et bien maintenant, il a 20 secondes de temps de recharge. Donc c'est moins... En fait le truc c'est comme le disent les développeurs, c'était ça pouvait être trop fort dans certaines circonstances et jamais et nul à chier dans d'autres. Et du coup maintenant ça a un nouveau fonctionnement. Donc s'il est stun etc, son soin reviendra plus vite et en plus ça rend du mana, donc c'est plutôt cool. Je pense pas que ça fera en sorte que le talent soit fort parce qu'il y a la purif et la bénédiction, la protection des anciens rois. Mais bon, ça améliore un peu la value du truc sans le rendre trop cancer non plus, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, Shao, niveau des alors bon, parce que c'est pas des guerriers, donc non, enfin ça n'existe pas guerrier. Donc maximum de points de vie de base réduit, donc un gros nerf de PV sur Cho'Gall et la récupération points de vie. Bon, c'est ça va dans la même idée que le nerf de Gall, mais cette fois ça concerne Shao. Shao aussi a des bons win rates, donc
pourquoi pas, hein. C'est pas, on change rien d'autre, c'est un petit nerf PV, il a quand même beaucoup de PV Cho'Gall de base, donc n'oublions pas qu'il a de l'armure aussi, de la protection avec la peau d'ogre, donc bon, ça reste ok je pense. Diva, les dégâts d'attaque du mecha augmentés de 24 à 26, ça c'est un énorme changement, hein. C'est un énorme up sur Diva. Parce que 2 points de dégâts, on pourrait dire c'est pas grand chose, mais oubliez pas la cadence de tir et que ça tape en zone, hein, donc ça augmente énormément le dépêche de Diva et ça c'est cool, vraiment c'est bon. Pour moi, Diva a besoin d'un rework, mais ça c'est cool. C'est con, mais ça permet vraiment d'avoir un petit peu plus de push avec Diva et bah, on va pas cracher dessus parce que elle a pas grand chose hein, pour elle, donc un petit peu plus de dépêche, c'est cool. Mal'Ganis. Alors Mal'Ganis, malgré ce que vous pouvez lire, hein, Mal'Ganis est tout à fait... enfin. Il y aura peut-être d'autres nerfs, mais Blizzard il va par petites touches et ils ont tout à fait raison. Parce que le perso, c'est soit il est nul, soit il est... enfin, donc c'est tout à fait logique. Le soin sur le Z qui a été réduit de 12 à 11 points. Donc c'est vrai que ce talent est très... en fait, le talent est situationnel, mais s'il est bien utilisé, il peut être très fort. Genre contre Tracer Ticus, ce truc, c'est n'importe quoi. J'avais essayé, c'est hallucinant. Contre un Ticus, c'est hallucinant. Ticus, il est censé casser ce genre de tank. Et vous prenez ce niveau 4, vous appuyez sur Z au moment où il a cleave le minigun, vous allez prendre cher, hein. Mais vous allez tellement tempo, j'ai aucun tank peut tenir autant sur un minigun parce qu'en fait, bah il fait énormément de dégâts, mais vous vous soignez aussi énormément pendant ce temps, donc vous arrivez à contrebalancer le minigun, c'est impressionnant. Bon, vous prenez des dégâts, hein, bien sûr, mais enfin, je veux dire, avec n'importe quel tank, t'es obligé de limite d'utiliser ton escape, quoi. C'est Mal'Ganis, non, il peut rester, soigner, enfin c'est... C'est peut-être le talent secondaire parce que très souvent on va prendre l'explosion sur le Z, mais bah, au final, situationnellement contre le Tracer, etc., ça peut être vraiment méga fort. Ça restera situationnel, mais moins hallucinant qu'avant. Balafré, alors Balafré qui est le dernier perso changé. Balafré qui a visiblement des bons win rates à haut niveau, mais plus bas. N'oublions pas que le perso a eu des nerfs sur. A eu des changements, on va dire, sur son kit. Et c'est vrai qu'entre Lightbox, le hook qui a une moins bonne portée et tout, bah c'est vrai que Balafré a pris cher. Donc il voit un petit up avec le maximum de PV augmenté de Stitches, la régène augmentée aussi. Le coup de poignet et la durée de la réduction de vitesse d'attaque augmentée de 4 à 5 secondes. Donc le Z qui va avoir un meilleur debuff sur la vitesse d'attaque. C'est un petit debuff, mais bon, c'est toujours un debuff qui dure plus longtemps. Le suc digestif, le bonus de réduction des dégâts augmenté de 40 à 50%. Donc c'est le debuff aussi sur le E. Durée augmentée de 4 à 5 secondes, ça c'est un énorme changement. Franchement, c'est un énorme changement. Je pense que c'est ça va peut-être devenir l'un des meilleurs niveaux 13 de Stitches. Hein. C'est très très strong. Hein. Si vous avez vraiment besoin de calmer un mec, le E, genre un Illidan, c'est très 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 bon. Hein. Ce genre de perso, ça va... Enfin, je rappelle en plus que certains personnages comme Mal'Ganis ou Illidan qui se sustainent en fonction des dégâts infligés, vous nerfez de 50% ses dégâts, il fait plus grand chose et en plus il soigne moins, hein, donc ça peut être très très fort, hein. Ça peut être vraiment très très fort. Du coup voilà, bon après c'est pas des énormes changements sur Stitches, mais c'est toujours ça de prix, ça reste ok. Faire gaffe parce que voilà, quand un perso comme ça marche bien à ELO mais a plus de mal sur les autres, il faut équilibrer intelligemment et c'est pas toujours simple, donc pourquoi pas, ça reste, ça... surtout que c'est quand même des talents annexes, on va dire, c'est pas les talents les plus joués, donc it's ok, c'est les talents situationnels et un pool PV plus grand, vu que Stitches a plus de mal à y aller on va dire. Donc c'est tout à fait ok. Un petit changement sur les bugs. Sylvanas apparemment qui avait un problème avec son passif sur certains monstres. Mais it's ok. Je suis d'ailleurs très étonné de ne pas voir Sylvanas. Parce que Sylvanas, depuis son changement, j'ai eu des questions. Évidemment, je ferai les guides de Sylvanas et Stitches. Mais bon, ça a pas... enfin, faudra que je joue un peu plus. Et surtout, ça a pas mal été... ça a pas mal, enfin il y a eu beaucoup d'actualités qui a fait changer un peu mon planinge. Là je vais avoir mes vacances, donc ça sera probablement au mois de janvier, mais évidemment on fera les guides de Stitches et de Sylvanas. Mais Stitches, concrètement ce que je dois vous dire c'est que Sylvanas, je suis très étonné de ne pas l'avoir apparaître. À l'heure actuelle, Sylvanas est le perso qui a le moins bon winrate, tout Elo confondu. Hein. Alors c'est pas la seule, mais elle est ultra basse. Hein. Et c'est impressionnant, et c'est là où tu te dis bah ouais, vous aviez peut-être pas besoin de la rework quoi. C'est pas mal parce que ce genre de truc ça permet de dire à Blizzard bah ouais, vous aviez pas à la toucher en fait. Parce que là c'est nul à chier en fait, enfin, vraiment, genre le winrate du personnage est catastrophique. Et ça me fait plaisir parce que j'avais peur qu'en solo queue ça soit quand même haut. Étant donné que bah, c'est de l'auto-attaque etc, non, c'est trop dur de faire proc les dégâts, c'est très compliqué. Autant jouer un Zul'jin ou un Raynor, et bah ouais, pour moi fallait pas changer l'ancienne cible, mais bon. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura servi. Passez une très très bonne... n'hésitez pas à me dire vos impressions sur le patch. Moi, je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus.
N'oublie pas de soutenir Facebook, Twitter et YouTube. Follow, tweet, abonnement. C'est gratuit, ça m'aide. Et plus.